Quand il est né, on a été étonnés parce qu'il est né avec les yeux grands ouverts. Normalement, un bébé, ça regarde pas. Et lui, il était vraiment. Il buvait le monde avec ses yeux. Bonjour. Moi, je suis Vincent. Vincent. Il a 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, quand Vincent était dans mon ventre, je sentais que c'était différent. Il réagissait différemment. Moi, je suis d'une famille de musiciens, donc je mets beaucoup de musique pour les bébés, même quand ils sont dans mon ventre. Et Vincent, il réagissait pas. On a été voir plusieurs médecins, plusieurs hôpitaux, et à chaque fois, c'était la même chose. Mais non, regardez, il va bien. Un enfant sourd, il se comporte pas comme ça. S'il était sourd, il serait pas comme ça. Il est ouvert, il va vers les autres, donc c'est qu'il est entendant. Lui, il compensait avec son regard, il arrivait à comprendre en regardant. On pensait qu'il était malentendant ou sourd moyen. Et en fait, non, il est sourd profond. Pour moi, c'était violent. La manière dont ça a été annoncé, c'était vraiment terrible. Avec aucun accompagnement, on revenait dans 15 jours. Bah, évidemment, pendant 15 jours, on était complètement effondrés. Il faut savoir que 95% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes où il n'y a jamais eu aucun antécédent de sourdité. Donc du coup, on n'est pas du tout préparé. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. On n'a aucun modèle autour de nous. On ne sait pas du tout ce que c'est que la sourdité en général. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il puisse s'exprimer. Donc, on a découvert la langue des signes qu'on ne connaissait pas du tout. Et on s'est dit, bah voilà, il a une langue, une vraie langue, avec une vraie structure, une langue riche, complète, qui lui permettra de dire tout ce qu'il veut de manière confortable. Allez, on y va. Un humain qui n'entend rien, comment il peut communiquer? Par les mains. C'est comme une langue, c'est sa langue. Les personnes, elles ont une langue, l'anglais, l'allemand, ils peuvent parler. Nous, on s'exprime avec nos mains. On n'est pas handicapé. On a une autre langue, simplement. Voilà. C'est une communication avec les mains. Donc une personne sourde, c'est vraiment juste une personne qui a une langue différente. Moi, ma famille est sourde. Donc je suis née, ma langue maternelle, c'était la langue des signes. On m'a parlé en langue des signes et moi j'ai acquis la langue très facilement, comme tous les enfants, quoi. Ce qui est important, c'est de rencontrer, de ne pas être seul et de rencontrer d'autres personnes. Quand on dit oui en langue des signes, l'expression fait partie de la langue. Voilà. Donc on peut dire oui de façon différente avec différentes valeurs. Et par exemple, les animaux. On peut faire un lion comme ça, ou alors il va être méchant, ou alors il est gentil, et donc du coup, avec le visage, ça va changer le sens de la phrase. L'expression est très importante en langue des signes. Mais s'il n'y a pas d'expression, alors là, on comprend beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile. Donc les expressions, elles font partie de la langue des signes, à 100%. Le corps, les expressions, il n'y a pas que les mains. Moi, je suis fière que mon fils soit sourd. Ça a été violent au début, maintenant j'en suis très fière. Tout d'un coup, j'ai découvert un univers, mais d'une richesse impressionnante. C'est-à-dire qu'en fait,
Les gens ne se rendent pas compte, mais une langue magnifique, riche, complexe, comme toutes les langues qui évoluent, qui... Et un univers inconnu. C'est vraiment deux mondes parallèles, le monde des entendants et le monde des sourds. Alors lui, il dit qu'il aime les enfants, il aime pas les enfants entendants, il aime les enfants sourds. Parce qu'en fait, on peut discuter. Avec les enfants entendants, c'est difficile. S'ils savaient parler la langue des signes, ça serait parfait. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il chassait les Cro-Magnons. Il chassait des mammouths et des rennes, ouais. Souvent, l'histoire, c'est on discute ensemble, on regarde l'image et puis après on travaille sur le texte. Je ne veux pas lui dire que parce qu'il est sourd, c'est impossible. Il a le droit de rêver, de choisir le métier qu'il veut. Et lui, il veut être policier. Voilà, moi je suis sourd alors.